Si je reprends une phrase d'Orelsan, je vais dire au moins monteur de mettre le passage d'Orelsan dans la chanson basique. Je pense que la chanson disait: les hommes politiques sont obligés de mentir, sinon vous voterez pas pour eux. Basique. Voilà. Si mon moteur me retrouve ça, ce serait cool. Les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, c'est une... Bref, tous les hommes sont politiques, sont obligés de vous vendre. Pour une raison simple, on est 60 millions. On a 60 millions. Bon, allez, j'exagère. On a des milliers de problématiques différentes. Et en gros, le politique qui n'a jamais vécu ce que vous vivez, parce qu'un politique, il a fait des études, il a a priori vécu dans une famille qui a de l'oseille, il a fait des études pour être politique. Et quand on n'a pas connu le salariat, quand on n'a pas connu la galère, enfin, on ne peut pas résoudre un problème qu'on n'a pas connu. Moi, je suis convaincu de ça. D'accord? Ça, c'est clair et net. Et un entrepreneur, ceux que vous voyez qui font des business en ligne, ceux que vous voyez qui sont riches sans avoir été loin à l'école, ils ont aussi des problématiques de relations humaines, avec, etc., avec les salariés, etc., parce qu'ils n'ont jamais été salariés. Donc, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Vous savez, il n'y a pas que les politiques qui sont hors sol. Il y a des mecs qui font que des business ou qui sont riches, machin, qui leur père est entrepreneur. Le mec de Leclerc, et tout de suite, il était entrepreneur. Il n'y a pas que les politiques qui sont privilégiés. D'accord? Il n'y a pas que. La France ou tous les autres pays.